L'élevage de crevettes en Algérie, comme ce qu'on appelle la pelliculture en Algérie. Donc, parce qu'il y a peu de vétérinaires qui s'intéressent, ben, qui ne connaissent pas le domaine de la biologie marine. Donc, je vais parler un petit peu de l'élevage de la crevette en Algérie. Donc, juste un petit historique. Il faut savoir qu'en Algérie, il y a deux fermes d'élevage de crevettes. Donc, il y a une ferme à Skikda. C'est une ferme qui entre dans la collaboration entre l'Algérie et la Corée du Sud et le Centre national de recherche du développement de la pêche et de l'aquaculture CNRDPA, qui se trouve à Ousmael. C'est une ferme qui s'étale sur 15 hectares. Donc, le début de la construction, donc, c'était en 2009, mais on a commencé réellement en 2010. Donc, elle se trouve, pour ceux qui connaissent la région, donc, elle se trouve à 500 km de Oued El Kbir, Armila, dans la commune de Marsa. Donc, ça, c'est une maquette de 15 hectares. Vous voyez donc les étangs en bleu, ce sont les étangs de grossissement. On va revenir sur les structures de la ferme. Donc, le projet, donc, le coût global est de 6 300 000 dollars. Donc, nous avons 3 millions de dollars versés par la partie coréenne et le reste par le ministère de la Pêche, c'est-à-dire la partie algérienne. Donc, les missions. Donc, nous avons une mission technique purement technique, c'est de maîtriser les cycles d'élevage de crevettes, assister les futurs investisseurs, alimenter les futures fermes en termes de post-larves, c'est-à-dire les petits de la crevette, et démontrer le protocole pour l'élevage de la crevette. Nous avons ici, donc, il faut savoir que cette ferme de la Marsa, c'est une ferme purement scientifique. Donc, on fait de l'élevage des espèces, les espèces locales comme la matsagoun pour améliorer leur rendement et adapter cette espèce selon les conditions climatiques algériennes. Juste pour vous dire, on a eu donc des visites de pas mal d'universités. Vous voyez là donc, le département biologie de l'université également. Ils assistent même au protocole d'élevage avec le staff algérien et le staff coréen. Voilà. Des visites du ministère de la Pêche du Soudan. Ça, c'est l'ISMAL, les masters 2 de la biologie marine de l'ISMAL. Voilà. Ce sont des étudiants de Ouargla. Oui, le département de l'aquaculture, parce qu'à Ouargla, il y a une filière aquacole à l'université, et aussi de Bebzoa. Ça, c'est le staff technique avec l'ex et l'actuel ministre de la Pêche. Les activités. Il faut savoir que à la ferme de la Marsa, on procède à plusieurs types de crevettes. Premièrement, nous avons la Keratérus, la Milicertus keratérus qu'on appelle la matsagoune. C'est une espèce purement autochtone, c'est-à-dire elle se trouve dans nos mers. La Spinaeus qu'on importe d'Égypte, du Nil, Nahr el-Nil. Et la troisième, c'est la vaname qu'on importe de la Floride. Il faut savoir que le géniteur, il coûte 1 800 dollars. Il y a 18 millions de haba. D'accord? Pour la Japonicus, elle coûte jusqu'à 300 dollars. Pourquoi la différence de prix? Tout simplement, quand on achète une espèce qu'on appelle SPF, yani Specific Pathogen Free, c'est une espèce indemne de toute pathologie. Donc, c'est normal qu'elle est chère. En plus, elle peut pondre jusqu'à 1 200 000 œufs, c'est-à-dire avec 5 ou 6 femelles, vous pouvez produire 40 quintaux de crevettes. C'est comme on parle de vaches qui produisent 60 litres par jour et une autre qui produit 5-6 litres. Donc, c'est la performance génétique de l'espèce. Aussi, donc, on fait la reproduction de cette espèce qu'on appelle le bouquet ou la Palaemonceratus. Ce n'est pas une crevette, mais c'est une chevrette. Il faut faire la différence entre une crevette et une chevrette. Dans le langage anglo-saxon, on fait la différence entre shrimp et prawns. Les shrimp, ce sont les chevrettes, mais les prawns, ce sont les crevettes, c'est-à-dire de grande taille. De grande taille, ce sont des crevettes. En anglais, on parle de prawn, mais en français, on parle de shrimp.
Aussi, nous avons cette crevette qu'on appelle la Plesionica edwardsi. Donc, sûrement vous la connaissez. C'est une espèce, donc elle est productive durant toute l'année. D'ailleurs, c'est une espèce qui a fait le buzz parce qu'il y a des gens qui se posent la question, comment les éleveurs peuvent pêcher cette espèce durant la période de reproduction, alors que c'est une espèce qui n'a pas de repos biologique. C'est-à-dire, on peut la trouver à la longueur de l'année avec les œufs bleus. Vous voyez au ventre les œufs bleus. Parce que la durée de Vindeha, elle est de 3 ans. Donc, on passe aux infrastructures pour ceux qui ne connaissent pas c'est quoi une ferme d'élevage de crevettes. Donc, c'est une maquette générale de la ferme de la Massa. Donc, nous avons la station de pompage qui se trouve à 2 kilomètres de la station, de la ferme. Donc, cette pompe nécessite vraiment donc un travail difficile et ça nécessite donc un nettoyage permanent, surtout après donc un mauvais temps. Donc, il faut faire donc la plongée sous-marine pour nettoyer comment dirais-je, la pompe de la posidonie, c'est ce qu'on appelle le brouage. Voilà. Donc, nous avons le hangar et nous avons l'écloserie. Donc, une fois que les géniteurs arrivent au niveau de la ferme, donc on les installe dans ce building, ce qu'on appelle le hatching building, c'est-à-dire l'écloserie. Vous voyez, donc, nous avons 4 big tanks à droite et 5 big tanks à left. Qu'est-ce qu'on fait? Un bassin et donc il est formé. Donc vous voyez donc l'eau en bleu c'est l'eau froide et le rouge c'est l'eau chaude. Le sac c'est un filtre de 200 microns et ce qui donc les bulles d'oxygène donc les plusieurs bulles d'oxygène c'est ce qu'on appelle les diffuseurs à l'intérieur du bassin pour alimenter le bassin en termes d'oxygène. Donc nous avons un bassin de décantation. Donc, une fois l'eau est pompée de la pompe de station, donc elle arrive dans ce bassin de décantation, elle va subir une certaine filtration. Ce que vous voyez, donc une filtration biologique, donc c'est le sand filter, les bonbons de mama, donc sont remplis de sable. Donc, il y a filtration des germes pathogènes, puis l'eau va passer la filtration chimique par les UV. Avant d'arriver à ce green tank, pour subir la troisième filtration qu'on appelle la filtration mécanique dans les cartouches que vous voyez en blanc. Les cartouches donc diffèrent selon leur dimension. Vous voyez donc les petits jusqu'au grand calibre de 0,5, 5, 10, 25 et 50 microns et le plus grand de 200 microns. Nous avons une chambre de congélation, de réfrigération, bien sûr. Donc, congélation de moins de 17 degrés et réfrigération pour stocker l'aliment et l'artémia à 4 degrés. Nous avons un labo pour faire des analyses physico-chimiques et microbiologiques. Un système d'oxygénation pour alimenter donc les bassins à l'intérieur de l'écloserie en oxygène. Une chaudière pour augmenter et diminuer la température, un groupe électrogène, armoire de contrôle. On va sortir un petit peu de l'écloserie pour aller au bassin, aux étangs de grossissement. Donc, dès que l'opération est terminée, la reproduction est terminée, donc on va faire le transfert des post-larves à l'extérieur dans des 4 bassins de grossissement. Celui-là, c'est un bassin de décantation, donc il est destiné uniquement pour décanter l'eau. Donc le bassin ADA, il doit être nettoyé minutieusement. Voilà. Puis on va faire l'angle d'eau. Dans le bassin de décantation, on fait pas de filtration. On fait la filtration uniquement à l'intérieur. Pour le grossissement, on utilise directement l'eau de mer. Donc, puis on va couvrir le bassin de décantation avec une couche de sable de 20 cm. Vous voyez, donc si vous voyez un étang pareil avec une couche de sable, soyez sûr que c'est un étang conçu spécialement pour l'élevage de crevettes. Pourquoi? Parce que tout simplement, la crevette, elle s'enfuit dans le sable pour s'alimenter et pour faire l'accouplement. Donc, on utilise le sable Hada pour aider la crevette à s'enfuir dans le sable pour accomplir ses besoins
physiologique et biologique. Voilà, si tu maquettes donc une vue générale des bassins de grossissement. Vous voyez celui à droite, c'est un bassin de décompression. Les autres, c'est le bassin de grossissement. Donc, nous avons aussi donc, les pads wheels. Les pads wheels, ça sert à l'oxygénation du bassin au bassin de grossissement. Parce qu'à l'intérieur, nous avons à l'intérieur des écloseries, on a des pompes, mais à l'extérieur, on n'a pas des pompes. On utilise ce qu'on appelle les pads wheels. C'est pour oxygéner l'eau. Vous voyez donc une photo là. Peut-être je vais. Voilà, donc juste pour vous sachiez. D'accord. Ici, je suis en train de nettoyer les algues. Tout simplement parce que l'oxygénation, vous voyez juste à gauche, c'est les pads d'huile, c'est pour l'oxygénation de l'eau. Je suis en train de nettoyer les algues parce que l'oxygénation. On fait l'oxygénation, donc on contrôle l'oxygénation deux fois par jour, à 4 heures du matin et à 16 heures, le pic du jour et le pic de la nuit. Il ne faut pas qu'il y ait une différence de 4 à 5 mg d'oxygène par litre, sinon la crevette va mourir, enfin, la crevette ou le poisson. Donc la gestion de l'écosystème est très importante. Ben, pour revenir. Donc, ces pipes, c'est pour changer l'eau. C'est parce qu'à chaque fois, on change un degré ou un volume important de l'eau chaque jour, chaque deux jours, s'il y a un excès d'ammoniac. Donc, il faut renouveler l'eau. C'est le même principe que l'aquarium, d'ailleurs. Donc, la deuxième ferme, c'est la ferme de Hassi Ben Abdallah à Ourgla. Donc, vous voyez, les constructions ont démarré en 2013. Elle est en plein désert. Vous voyez là, donc, cette ferme, elle est dotée d'unités de fabrication d'aliments, uniquement pour de crustacés. Vous voyez là, à gauche, c'est le food mill. À l'intérieur, nous avons les raceways. On va parler un petit peu sur le fonctionnement de ces raceways. C'est la dernière technologie. Donc, on appelle ça le high density ou le bioflux technology. Donc, on va en parler. Donc, vous voyez donc une vue générale de la ferme à l'intérieur de Ourgla. Voilà. On va parler un petit peu de cas à la côté technique et la reproduction. Donc, vous voyez là, c'est la mise en place des géniteurs. Vous voyez, les géniteurs sont transportés dans ce qu'on appelle des box. Hein. Voilà. Donc, juste dès la mise en place des géniteurs, on fait des analyses physico-chimiques de l'eau. Vous voyez là, donc, les box contenant des pipes, des tuyaux, 5 ou 6 tuyaux. Chaque tuyau contient une crevette. J'ouvre une parenthèse. Vous voyez là, donc, la couleur de l'eau, elle est rouge à l'extérieur. Nous avons enregistré là une mortalité très importante de crevettes, tout simplement, parce que c'est une eau, c'est ce qu'on appelle une coloration parasite. Ça n'a rien à voir avec le parasite. Non, on appelle ça une coloration parasite, c'est la coloration qui confère la présence d'un métal, c'est-à-dire si l'eau elle est rouge, s'il y a l'oxyde de fer, si l'eau elle est jaune, s'il y a du cuivre. Donc cette eau-là, elle contient beaucoup de fer, tout simplement parce que le fournisseur en Égypte, il nous a transporté la crevette Hadia avec une eau rouillée, c'est-à-dire un msadda. Une eau qui circule à un débit faible, c'est-à-dire quoi? Elle contient d'oxyde de fer. Donc, on a enregistré une forte mortalité de crevettes. Donc, vous voyez là sur le pipe, perforé pour que l'eau puisse entrer et sortir, fermé hermétiquement des deux côtés, à lèche, parce qu'on ne peut pas transporter une crevette comme un poisson. La crevette, elle est dotée d'un rostre juste fourchemar, comme un clou, c'est-à-dire qu'il me smar. Docteur. Oui. Docteur, s'il vous plaît, m'galou le cabdin à la technique doucement. La technique? Oui. Ok. Donc, une fois que. Je n'ai pas encore commencé la technique, hein, c'est la mise en place. Donc, une fois que les géniteurs arrivent,
Donc, une fois que les géniteurs arrivent dans ces boxes, on fait l'analyse physico-chimique de l'eau, bien sûr, pour enregistrer les mortalités. J'ai dit que nous avons enregistré des mortalités à cause de l'oxyde de fer, parce que l'eau, elle est rouge. Le transport, ce qu'on appelle dans le domaine vétérinaire, c'est la contention. Voilà. Pour contenir une crevette, il faut la mettre dans ce tube. Le tube HEDA fermé hermétiquement parce qu'on ne peut pas transporter une crevette comme un poisson. La crevette, elle est dotée d'un rostre. Rostre HEDA, c'est quoi? C'est comme le smar. Il faut juste que je m'arrête. Donc, si je transporte les crevettes dans un sachet, ça va perforer le sachet. Automatiquement, elle va perdre son écosystème de l'eau. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On met la crevette à l'intérieur et on ferme les deux extrémités pour que la crevette ne bouge pas. C'est un système de contention. Vous voyez là, des crevettes avec les tubes en PVC. Vous voyez donc un géniteur, vous voyez donc six géniteurs. Le coût de chacun de cette espèce était de 300 dollars. 300 dollars, à peu près 6 à 7 millions. Mais si on l'achète, SPF, elle est de 1800 dollars. C'est-à-dire, si je fais le calcul, 6 femelles, c'est-à-dire, c'est la somme d'une voiture, en fin de compte. L'alimentation de la femelle, c'est les poliquettes, d'oud. D'oud hada, j'ai la Hollande. Parce que les vers, c'est ce qu'on appelle the blood worms, ou les vers de terre, sont riches en oméga 3 et les oméga 6 qui sont nécessaires. Vous savez très bien que les oméga 3 et 6 sont nécessaires pour l'ovogenèse. Même chose pour la crevette. On donne les poliquettes parce qu'ils sont riches en oméga 3 et 6 pour augmenter le nombre d'œufs dans l'appareil génital de la crevette. Vous voyez donc les poliquettes sont transportées congelées. Maintenant, on les décongèle. On les distribue décongelées. Vous voyez là, c'est l'espèce Lanéris. On l'importe de la Hollande, pour vous dire. Le kilo taha, je pense, c'est les 750 dinars, le kilo. Le kilo, Lanéris. Donc, vous voyez, donc, à l'intérieur, il y a une ligne. Une ligne, c'est l'ovaire. Très développé, c'est l'ovaire de la crevette. Donc, elle est très développée. Cette espèce, c'est la japonicus. Là, on parle de la reproduction artificielle de la japonicus. Parce qu'on va voir la reproduction artificielle de la vaname. Pour la japonicus, c'est ce qu'on appelle les télécoms. Télécoms, c'est l'appareil génital de la crevette. Ça s'appelle télécom. Cette espèce, elle ne nécessite pas le mâle. On ramène directement la femelle fécondée. Par exemple, dans le cas, mois d'avril, mai, juin, toutes les femelles de la japonicus et la kératérie sont fécondées. En offshore, en haute mer, on ramène directement la femelle pour booster ou pour provoquer la ponte, parce que dès la sortie des œufs, elle trouve à l'extérieur du télécom les spermatophores. Les spermatophores, ce sont des poches qui contiennent des spermatozoïdes du mâle. Yani, le mâle, il féconde la femelle en mer. On ramène que la femelle. D'accord? Contrairement à d'autres espèces, on va en parler après, parce que la reproduction de la crevette, elle diffère. C'est quand vous parlez de la reproduction de la chatte, qui a une ovulation provoquée, et les autres espèces qui ont une ovulation spontanée. Hadia, vous pouvez la comparer avec les autres espèces. Et la vanamée, c'est comme la chatte. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait un accouplement pour qu'il y ait une ponte, une ovulation. Ben, on reste maintenant à la japonicus. Donc, une dissication, vous voyez à l'intérieur, c'est l'ovaire, très développé. Vous voyez le rostre, le msmar, le hadrat al-kamali, juste au niveau de la carapace, le fourbe. Donc, c'est comme un clou, kim le msmar. C'est pourquoi on met la crevette à l'intérieur d'un tube.
Vous voyez là, donc à gauche, c'est ma main qui contient donc le vous avez vous voyez donc juste l'anatomie, vous voyez donc l'estomac. À droite, l'hépatopancréas, c'est comme le foie. Puis l'ovaire et à l'intérieur de Gad, c'est l'intestin. Voilà, et tout ça sont les œufs. En couleur grise, ce sont des œufs. Ben, maintenant, on va parler de la reproduction. Dès qu'on ramène la femelle, on va la mettre dans. Elle doit répondre à certaines conditions. Premièrement, c'est la photopériode. C'est comme la jument, c'est comme l'ovin, c'est comme toute femelle. On doit couvrir les bassins qui vont héberger les femelles l'isoler, si j'ose dire. Donc, sous cette bâche noire, voilà. À l'intérieur, c'est fait un peu sombre. Donc, les femelles, donc on fait ce qu'on appelle l'acclimatation. Avant de libérer les œufs directement de l'eau, on met le sachet de transport à l'intérieur parce qu'il y a une différence de température. Pour qu'il n'y ait pas un choc thermique, il faut que la crevette s'adapte à notre eau en termes de température. On fait un traitement préventif à base d'oxytétracycline et à base de formol. Vous voyez là. Maintenant, vous voyez les crevettes avec les polyquettes. Donc, la première alimentation de base pour la femelle avant la ponte, c'est les polyquettes. Le nettoyage des bassins, il se fait chaque jour. Le renouvellement de l'eau, il est 100%, ou des fois 200%, c'est-à-dire on change l'eau deux fois par jour. Et le reste de l'aliment, il est siphonné. Durant la nuit, on fait des prospections pour voir quelles sont les femelles qui développent leur ovogénèse. Vous voyez la crevette, elle a quatre stades de développement ovarien, stade 1, 2, 3 et 4. Le stade 3 et 4, ça veut dire que la femelle va pondre dans les premières heures à venir. Donc, les femelles qui ont un stade de développement 4 et 5, on va les isoler dans un autre bassin pour provoquer la ponte. Pour provoquer la ponte, on fait ce qu'on appelle l'ablation du pédoncule oculaire. C'est ce qu'on appelle en anglais the eye stalk ablation technique. Nous avons plusieurs méthodes pour le faire. Soit, c'est le matériel de base pour faire ce qu'on appelle l'épédonculation ou l'ablation du pédoncule oculaire. On ne parle pas d'œuf chez la crevette, mais on parle de pédoncule. L'œil de la crevette, elle est séparée de la tête avec un pédoncule. C'est ce qu'on appelle le stalk. Ce n'est pas comme l'être humain, aïe ou directement dans le crâne, non. Donc, on a besoin du matériel pour couper ce pédoncule. Vous voyez là, on fait la pédoncule, l'ablation avec autorisation. N'kouiouha carrément, l'kouiouha. Ça, c'est la première méthode. Voilà. Deuxième méthode, c'est la ligation. Troisième méthode, c'est l'énucléation. Carrément, j'arrache carrément son œil. Voilà des œufs des femelles épédonculées. Ou bien l'incision carrément, carrément. Ben, je vais vous montrer un petit peu cette vidéo pour voir un petit peu comment faire l'épédonculation. C'est très intéressant de le voir. C'est le centre de recherche où on a effectué nos études. Voilà. Je vous laisse voir. C'est le centre de recherche en Corée. Vous voyez la femelle avec des yeux.
안정된 인공청력 기술과 사육기법을 확보하고 있다. 인공청력 과정에서 핵심 기술은 어미 새우의 성숙 시기를 유도하는 과정이다. 새우의 한쪽 눈을 제거하는 안고 절제술은 새우의 성숙을 촉진시켜 산란 시기를 앞당긴다. 우리의 눈에는 새우의 성숙을 억제하는 호르몬을 분비하는 기관이 있습니다. 새우의 눈을 제거함으로써 성숙을 유도할 수 있는 효과를 얻을 수 있습니다. 안고 절제술과 함께 광두기를 인위적으로 확보하고 낮과 밤의 길이를 조절해주면 산란을 촉진시킬 수 있다. 최근 국내 새우 양식의 주 품종인 흰다리 새우는 나열대산 새우로 성숙 환경 조건만 갖춰주면 1년 내내 산란이 가능하다. 친환경 양식을 목표로 보인 Donc, pour vous expliquer, qu'est-ce que vous avez vu? Donc, vous avez vu donc des femelles avec des yeux. On donne l'alimentation à base de poliquette pour la maturation de l'ovaire. Une fois la femelle atteint le stade 4, on va faire l'ablation. On va remettre la crevette à l'intérieur du bassin. La photopériode, elle est de 14-10, c'est-à-dire on lui donne 14 heures de jour et 10 heures de nuit. Donc, qu'est-ce qu'elle fait la crevette? La crevette, elle va s'isoler, elle va pondre. Tout simplement, la crevette, elle a une activité nocturne, yani elle fait la ponte durant la nuit. Vous avez vu, elle fait passer les œufs tout en balançant ses pieds. Le balancement, ça veut dire quoi? C'est le contact des spermatozoïdes avec les œufs pour féconder les œufs. C'est pourquoi la japonicus, on utilise uniquement la femelle, parce que la femelle, elle contient déjà les spermatophores du mâle. Donc, juste après la ponte, on fait la collecte des œufs. Voilà, donc avec la collecte des œufs, c'est fait avec un filtre de 200 microns. Vous voyez là un œuf de crevette. Le début du développement embryonnaire, début de l'éclosion, c'est ce qu'on appelle le umbrella stage, les formes d'umbrella parapluie. Voilà, c'est le premier bébé de la crevette qu'on appelle nopleus. Nous avons six stages of nopleus. Nous avons the first one, second one, the third one, the fourth, fifth, and sixth one. Each one lasts five or six hours. C'est-à-dire, chacun dure 4 à 5 heures. Donc, nous avons six stades de nopleus. Puis on passe de second stage, which we call Zoya. We have Zoya 1, Zoya 2, and Zoya 3. Each one lasts one day. Chacun dure un jour. Entre Zoya 1 et Zoya 2, un jour. Entre 2 et 3, un jour. C'est-à-dire l'ensemble est de 3 jours. Puis on passe au stade 3, c'est le mésis. Nous avons mésis 1, mésis 2, and mésis 3. After that, we have PL. PL, it means post-larve. Les post-larves, ça veut dire quoi? Là, l'animal commence à acquérir les caractéristiques de l'adulte. Là, il n'y a plus d'âge. On parle de PL1, 2, 3, 4, 5, and so on. Until the harvest. C'est-à-dire, on parle de post-larve 1 et 2, 3 jusqu'à la récolte, jusqu'à la fin du cycle. L'alimentation. L'alimentation de la crevette, elle est très importante. Vous savez que la crevette, premièrement, elle est diabétique. Oui, la crevette, elle est diabétique parce qu'on ne peut pas donner l'alimentation d'un poisson à une crevette. La crevette, le régime alimentaire, elle est basée sur les protéines et les lipides, mais jamais sur les glucides. Mais là, on donne de l'amidon, c'est du glucose, c'est pas pour être consommé, c'est pour que l'aliment coule au fond.
C'est-à-dire, il ne faut pas que l'aliment de la crevette, il ne faut pas qu'il flotte. Parce que c'est une espèce benthique, tu es formel. Elle a fait une armée la fois passée. C'est une espèce benthique, tu es au fond. Donc, c'est-à-dire, je dois rajouter l'amidon pour que l'amidon coule au fond. Ce n'est pas comme la sardine, par exemple, ou le loup dorade, où l'aliment d'air, il est en suspension. Il y a d'autres les caractéristiques zootechniques de l'espèce elle-même. Donc, on rajoute la crevette, on rajoute l'amidon pour que l'aliment coule au fond. La crevette, elle va consommer les protéines et les lipides, mais jamais les glucides, parce qu'elle n'a pas de système homéostasique, l'insuline et le glucagon, comme chez l'être humain ou comme chez les autres espèces, parce que c'est une espèce diabétique. Vous voyez donc la granulométrie de l'aliment. L'aliment diffère selon le mouth size, la taille buccale de la crevette. La crevette, c'est-à-dire on donne l'aliment selon la taille buccale de la crevette. Le deuxième aliment de base de la crevette, c'est ce qu'on appelle l'artémia. Donc l'artémia, c'est un crustacé qu'on importe aussi de la Floride, des États-Unis. Donc qu'on le trouve dans la région de Amboari, de Khenchla, si vous connaissez la région, dans les châteaux, dans les sebrettes. Vous connaissez Sebra ou les Chottes, ce sont des mares hyper salées. Le kilo de l'artémia, il est de 900 euros le kilo. L'artémia, pour la crevette, pour les petits de la crevette, c'est comme le cholestérol pour le bébé, pour l'agneau ou pour le veau. C'est l'élevage. Donc, les post-larves doivent consommer les polychètes durant 15 jours de leur vie. Donc, on fait l'élevage de l'artémia en même temps. Donc, on met donc les 6, c'est ce qu'on appelle des œufs, à 28 degrés. Vous voyez là donc, les bacs d'artémia. À une température 28 degrés, oxygénation, il va y avoir l'éclosion de Nauplius. Même pour l'artémia, on parle de Nauplius. On donne le Nauplius au petit de la crevette, c'est ce qu'on appelle les post-larves. Aussi, on fait dans une ferme, on fait l'élevage des phytoplanctons. C'est ce qu'on appelle les algues, les algues. C'est indispensable, premièrement, pour une source protéinique pour les petits de la crevette et aussi pour l'oxygénation. Ce sont des végétaux, donc ils vont produire de l'oxygène. Donc, on parle de phytoplanctons. Il y a des diatomées, il y a des flagellés. L'essentiel, vous gardez que l'élevage des phytoplanctons est indispensable. Vous pouvez le faire même à la maison. Vous pouvez ramener une eau dans une bouteille, vous la gardez pendant 5-6 jours, 10 jours, elle va changer de couleur, elle va devenir verdâtre. Parce qu'il y a des micro-algues à l'intérieur, donc ils vont faire la photosynthèse, elle lèche l'eau, elle est devenue verdâtre. C'est la même chose. Vous voyez là donc 5 bassins différents, mais la dominance de micro-organismes elle est différente. Vous voyez là une photo en haut à gauche, le marron. Le marron foncé, ça veut dire quoi? C'est-à-dire c'est une eau dominée par les bactéries. Juste pour vous dire, on fait l'élevage des bactéries en même temps de la crevette. C'est pas une pollution. Au contraire, on crée cette pollution parce que on va revenir là, les bactéries entrent dans la croissance des crevettes. Les grammes positifs déclenchent le système immunitaire de la crevette. La crevette a une immunité immorale. Elle ne produit pas les anticorps, mais elle n'a que l'immunité innée, déclenchée par les grammes positifs. Donc, on augmente le nombre de bactéries à 1 million de germes par 1 millilitre pour pouvoir parler de croissance de crevette. Donc, vous voyez là que le marron, c'est dominance bactérienne. À droite, c'est un peu de bactéries, un peu d'algues. Au milieu, en rouge, c'est une dominance algale. Vous savez qu'il y a des algues, c'est différent. Il y a des algues vertes, il y a des algues marron, the brown and green algae. Celle-là, elle est rouge. Il y a aussi des algues rouges. En bas, vous voyez donc le bassin en vert, c'est une dominance carrément algale, c'est-à-dire végétale.
à gauche, beaucoup plus marron, c'est-à-dire plus de bactéries que des algues. Et la récolte. On va revenir un petit peu. Voilà, c'est la récolte un petit peu sur le c'est-à-dire juste après. Il faut savoir que le cycle de la crevette dure 5 mois. Voilà, une récolte de 36 grammes. Et là, on va parler un petit peu du BioFlock Technology. Avant de commencer, j'aimerais vous parler un petit peu de quelque chose que vous connaissez très bien. Dans un aquarium à la maison, vous avez du poisson. À chaque fois, vous changez l'eau. Elle lâche. Parce que le reste de l'aliment plus la matière fécale se décompose en ammoniac et l'ammoniac est toxique pour le poisson. D'accord. Mais il y a un autre. Mais ceci, c'est du gaspillage. Donc, nous avons d'autres méthodes pour diminuer, pour substituer de cette méthode assez classique. C'est le BioFlock Technology, qu'on l'applique actuellement en Algérie depuis 3 ans, 4 ans. C'est une nouvelle technologie, d'ailleurs, inculquée par nos professeurs coréens. Le BioFlock, c'est quoi? C'est l'ensemble de tout ce que vous voyez là. Des bactéries, des algues, des matières fécales, le reste des crevettes, des ciliés, des parasites, des copépodes, tout ce que vous voyez là, c'est du BioFlock. L'espèce qui accepte le BioFlock, ce n'est pas la Japonicus, c'est celle-là, c'est la Vaname. La Vaname hadia, c'est une espèce qu'on importe de la Floride. La particularité, c'est la plus économique au monde. Tout simplement parce qu'on peut on peut l'élever en eau douce et en eau de mer. C'est pourquoi elle existe à Ourgla. Donc, c'est une espèce qu'on peut l'élever avec l'eau de mer ou bien en eau douce. Ce que vous voyez là à droite, ce sont les post-larves de la Vaname importée. Mais vous voyez, à l'intérieur, il y a des points noirs. Ça, c'est du carbone ou le charbon. Pourquoi le charbon? On transporte les crevettes ou bien les petits de la crevette avec du charbon pour absorber l'ammoniac durant le transport. Parce que la crevette, durant le transport, elle va durer 2-3 jours. Donc, avec ses matières fécales et tout, se décompose en ammoniac, ça va tuer les post-larves. Donc, on met ce genre de filtre biologique, le charbon, pour absorber l'excès de l'ammoniac. C'est pour vous montrer comment transporter des post-larves. Revenons un petit peu donc au BioFlock. Le BioFlock, c'est le contrôle de l'aliment, le contrôle de l'ammoniac à l'intérieur du bassin. En fait, nous avons trois méthodes. La première méthode, c'est le changement d'eau, d'accord? Mais elle est classique, mais comme ressource hydrique, on finira par gaspiller beaucoup d'eau à chaque cycle. Deuxième méthode, c'est les bactéries autotrophes. Les bactéries autotrophes, c'est les bactéries nitrifiantes, les nitrosomonas et les nitrobactères. On a besoin des nitrobactères et nitrosomonas à l'intérieur du bassin. Pour dégrader l'ammoniac en nitrite et nitrite en nitrate. Le mouchkoul, le système autotrophe, il est lent. Oui, il reste jusqu'à 40 jours. C'est-à-dire, si j'ai un problème d'ammoniac, je dois attendre 40 jours pour que l'ammoniac ait diminué. Et ça va tuer mes crevettes. Quelle est la méthode la plus efficace et la plus rapide? C'est le contrôle hétérotrophe. Ce sont les bactéries hétérotrophes. Les bactéries hétérotrophes, vous voyez le graphe, vous avez une concentration d'ammoniac à 7 mg par litre. Juste, je donne une source de carbone. Le carbone, c'est quoi? C'est une source sucrée, ce cop. Ça va diminuer l'ammoniac en 5 heures. Et comme c'est soi. Le carbone, ADA pour qui? C'est pour les bactéries hétérotrophes. Vous savez très bien que les bactéries hétérotrophes consomment du carbone organique. Donc, on achète cette mélasse. Vous connaissez la mélasse? La mélasse, ADI, on achète les usines de canne à sucre
c'était pour la fabrication des sucres également ou ailleurs. Donc, d'ailleurs, on l'utilise dans les fabrications d'aliments de bétail. On achète cette mélasse parce qu'elle contient 24% de carbone. Je donne cette mélasse pour diminuer le taux d'ammoniac, mais je ne donne pas caca au hasard. On fait ce qu'on appelle le NC, c'est-à-dire quoi? Si vous voulez diminuer 1 g d'ammoniac, vous devez mettre 6 g de mélasse. Yanni, c'est le 1,6. Si vous avez 12 g, par exemple, si vous avez 2 g d'ammoniac, vous devez mettre 12 g de mélasse. C'est le 1,6. Vous voyez là? Je vais vous montrer un petit peu comment fonctionne le biofloc. Donc, je fais une interprétation rapide avant de lancer la vidéo. Ce que vous voyez là, les points blancs, ce sont les bactéries. Plus je donne le carbone, les bactéries font s'agglomérer, s'agglutiner. C'est ce qu'on appelle de floc. La crevette va consommer les bactéries. Les bactéries vont se multiplier et s'agglutiner en consommant le carbone, qui sera une source pour la crevette. Vous allez voir la vidéo, vous allez comprendre. Donc, je récapitule. Donc, vous voyez là, ce sont des bactéries éparpillées. Plus que je donne le carbone, les bactéries vont s'agglomérer. D'accord? S'agglomérer comment? Je dois donner du carbone sous forme de mélasse. Les bactéries vont consommer le carbone. Donc, ils vont se multiplier, ils vont s'agglutiner. C'est ce qu'on appelle de floc. Ce floc, c'est une source de protéines pour la crevette. C'est-à-dire, le biofloc va, c'est-à-dire, je vais diminuer en termes économiques, je vais diminuer la charge en termes d'aliments. C'est-à-dire, j'ai 30% de mon aliment qui sera consommé par la crevette, uniquement par le biofloc. Donc, vous voyez donc le biofloc. Vous voyez là à droite, c'est le bassin. Ce sont des vidéos, je vais les lancer. Le biofloc, c'est-à-dire l'eau, elle doit être marron, foncé. D'accord? Parce qu'on parle de 1 million de germes par 1 millilitre. D'accord? Je vais lancer la vidéo un petit peu. À gauche, on a les raceways. Comment fonctionne le raceways? C'est le plan mécanique. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu des vidéos. Voilà, par exemple les ponces larves.
Aussi, donc, parler sur les postes à l'intérêt du patient. Peut-être vous avez remarqué des crevettes de grande taille et d'autres homogènes, tout simplement parce que c'est un phénomène de cannibalisme. Ça existe chez les crevettes. D'accord? Donc, je vais passer aux pathologies de la crevette. Je ne sais pas si vous avez des questions à poser ou on passe directement aux pathologies. Des questions, il y a des questions. Il y a des questions. Moi, j'ai une petite question, si vous permettez. Oui. En ce qui concerne la us vaname, si vous pouvez en développer un petit peu plus. Aussi sur le rapport CN adéquat pour l'élevage Pennaeus vaname. Oui. Merci. Merci pour votre question. Là, vous poussez un petit peu le bouchon plus loin parce que je n'ai pas parlé de CN, juste pour un petit peu donc des notions de base parce que des gens qui ne connaissent même pas ce que le biofloc, mais quand même, je vais vous répondre. Premièrement, pour les caractéristiques de la vanamée, il faut savoir que la vanamée, c'est une espèce à télécom ouvert, c'est-à-dire la ponte, elle survient juste après l'accouplement. Les caractéristiques de la physico-chimie de la vanamée, c'est une espèce exigeante parce qu'on perd du rapport 3-1-1 en termes de magnésium, sodium et potassium. La vanamée, c'est une espèce donc, d'eau de mer et d'eau saumâtre. En eau saumâtre, lors de la ponte, lors de croissance, la vanamée elle a une fréquence de mue très accélérée. Quand elle fait la mue, c'est-à-dire elle va libérer l'ancienne cuticule en produisant, en synthétisant une nouvelle cuticule, elle va perdre ses trois minéraux de base. C'est le magnésium, le sodium et le potassium. Donc c'est pourquoi dans l'écosystème, dans l'eau d'élevage de la vanamée, on doit maintenir ces trois minéraux de base. C'est ce qu'on appelle 3-1-1. C'est-à-dire, vous avez par exemple 300 mg par litre de sodium, donc vous avez 100 et 100 pour les deux autres minéraux. Donc elle est exigeante en termes de minéraux uniquement pour ces trois. Le 3 minéraux, c'est le magnésium, le sodium et le potassium. Maintenant, pour le CN, vous avez parlé de CN réellement. Donc, il y a deux méthodes qu'on utilise. Nous avons la méthode de professeur Samoura ou bien de Henri Malek. Donc, c'est une méthode basée sur le taux du carbone et le taux d'azote. Il y a une formule chimique qu'on utilise, c'est-à-dire vous avez le delta. La quantité journalière que vous donnez par jour, fois le taux de protéines qui est inscrit dans l'aliment donc, que vous avez importé, fois par exemple l'azote fois 13, la masse moléculaire, fois 6, parce qu'on parle de N6, vous allez calculer le CN ratio, c'est ce qu'on appelle le CN ratio. Donc, le CN et la quantité de mélasse ou de carbone est tributaire du CN et tributaire du taux de carbone dans votre mélasse. Là, c'est-à-dire, c'est purement mathématique. Une autre question.
Où elle est? L'Artémia, c'est ça? L'Artémia, après la pente. Ah, d'accord. L'Artémia, on la donne juste après. On ne la donne pas durant le nucléus. C'est comme le poussin. Le poussin, il se nourrit de Vitellius, de l'œuf, c'est ça? Donc, on la donne à partir de Zoya et Mésis et les 10 jours de post-larve. On donne l'Artémia pendant 15 jours. En général, on consomme 10 kilos, 10 à 12 kilos de cyste, yani d'œufs d'Artémia, pour 1 million de post-larves produites. Mais on la donne uniquement durant les premiers jours larvaires. On arrête jusqu'à la post-larve 15, pas plus. Autre chose, au début, pour les Zoya et Mésis, on donne l'Artémia congelée, morte. On ne donne pas l'Artémia vivante à l'âge. Parce que l'Artémia vivante, elle est plus rapide que le Zoya et les Mésis. Donc, le Zoya et Mésis de la crevette ne peuvent pas la capturer. Donc, on la donne morte, c'est-à-dire qu'on la congèle pour la tuer, pour que les Zoya et Mésis, c'est-à-dire les premiers stades larvaires de la crevette, puissent l'atteindre. Après, on peut donner les nucléus d'Artémia vivante parce que les post-larves peuvent facilement l'atteindre. Une autre question, juste pour lire. Le but du pédoncule oculaire, c'est de stimuler la reproduction. Voilà. Le but du pédoncule oculaire, il a deux buts. Premièrement, pour stimuler la pente, et uniquement, et stimuler, et aussi, c'est pour accélérer. Tout simplement, allège. Vous savez que la reproduction de la crevette, elle se fait durant le mois d'avril, mai, juin. C'est lorsque la température de la mer, elle est de 28 degrés. Donc, un œil dans ma ferme, je ne vais pas en entendre 3-4 mois, je suis limité par le temps. Donc, les 2 mois, je vais les réduire en 2 jours. Donc, je dois couper pour accélérer la pente. Et pour accélérer la maturation, premièrement, et accélérer la pente. Une autre question. Comment connaître que c'est le stade 4 pour provoquer la pente? Ah là. Là, c'est un petit peu de l'expérience. C'est la largeur de l'ovaire. Donc, vous pouvez taper sur Google et vous mettez, par exemple, les stades de maturation de l'ovaire de la crevette. Vous allez voir la largeur de la gonade. C'est la largeur de la gonade. Donc, par exemple, elle est à 1 cm, donc 2 cm de largeur, 5, 10, jusqu'à plutôt millimètres, pardon, jusqu'à 10 ou 12 millimètres. C'est question de largeur. Une autre question, comment déterminer les stades de mue? Ah, voilà. Les stades de mue, c'est purement histologique. En fait, on aura, si j'ose dire, c'est ce qu'on appelle une partie de l'exosquelette. Et la mettre sous microscope, vous allez voir les changements histologiques de la mue. Et là, j'ouvre une parenthèse parce qu'à chaque fois, je m'inspire de vos questions. La cuticule de la crevette, le qashra, on ne la jette pas, c'est de l'argent. On fabrique avec elle, on fabrique avec la cuticule de la crevette du plastique. L'exosquelette ou l'ancienne couche de crevette, elle entre dans la fabrication elle contient du chitosan, où le chitosan c'est un antifongique. Au lieu d'utiliser les produits chimiques dans les champs de la tomate et le blé, on utilise directement la cuticule borroïde de la crevette. Troisièmement, elle entre dans la composition des médicaments contre les arthrites et les arthroses. Donc, les États-Unis exportent à peu près 800 millions de dollars uniquement du chitosan. Actuellement, il y a des étudiants qui s'intéressent au chitosan. Ils font leur thèse ou leur mémoire sur ce sujet-là. C'est-à-dire que c'est de l'argent, quoi. Une autre question, oui? On fait une ablation des pédoncules car les pédoncules contiennent des organes qui inhibent la pente, en gros. Donc, on coupe l'organe pour permettre la pente plus rapidement. Pourquoi on parle pas d'organe? Premièrement, on parle de pédoncule. Pourquoi on coupe? Tout simplement parce que le système endocrinien de la crevette se trouve au niveau de ce pédoncule.
Donc, la crevette, elle a deux hormones, le GIH et le SIH. Une hormone qui inhibe et une autre qui stimule. Donc, on coupe pour que, pour que l'hormone, le GSH, le titre d'Aou, dépasse le GIH, celui qui inhibe. Donc, la crevette va libérer les œufs dans les heures à venir. Quel est l'intérêt du sable pour la culture des crevettes et quel est l'avenir de cette culture en Algérie? L'utilité du sable, premièrement, pas n'importe quelle crevette qui accepte le sable. On met le sable uniquement pour les crevettes à télécom fermées, comme la Japonicus ou la Keratirus interna. Mais pour la Paname, non, on ne met pas le sable. Le sable, pour les espèces à télécom fermées, c'est pour mettre la crevette dans son confort physiologique. Parce que la crevette, si elle veut faire la mue, elle doit s'enfuir dans le sable. Si elle veut s'accoupler, elle va s'enfuir dans le sable. Sans le sable, les crevettes à télécom fermées ne peuvent pas s'accoupler, ne peuvent pas exercer leur mue. Donc, ils ne peuvent pas croître. Parce que la mue, c'est quoi? C'est une croissance. Si elle change de cuticule, elle va augmenter de taille et de poids. Et l'avenir, sincèrement, vous posez la question pertinente, l'avenir de la crevetticulture en Algérie dépend de l'alimentation. Dans tout projet aquacole, l'aliment présente 50% du projet. Le problème en Algérie, c'est que l'aliment, il est importé. Voilà. Importé, en plus, il y a peu de gens spécialistes en crevetticulture en Algérie. Donc, Inch'Allah, avec l'unité de fabrication d'aliments à Ouergla, qui va démarrer, Inch'Allah, prochainement, ça va ouvrir le bal ou les portes aux futurs investisseurs pour investir dans ce créneau. Une autre question, quand on peut faire pédoncule oculaire, à quel stade? En fin de compte, de préférence, on fait l'ablation du pédoncule oculaire durant le stade 4 et 5. Et là aussi, vous me donnez le bal pour un petit peu parler dans notre point. Il est préférable de faire l'ablation durant la phase post-mue. Dans la crevette, il y a trois phases, flammeux. Pré, inter et post, avant, au milieu et après. On fait l'ablation durant la phase post-mue, yani juste après la mue, parce que la crevette, elle va libérer les œufs. Si vous faites l'ablation avant, yani avant la mue, la crevette, elle va mourir. Si vous faites l'ablation en intermue, au milieu du cycle de mue, la crevette, elle va résorber ses œufs. Le cycle de mue, il est étroitement lié au cycle ovarien. Tout simplement, le contrôle du cycle de mue, il est contrôlé par l'organe Y. Mais la mue et la robe et le cycle ovarien sont étroitement liés. Une autre question. Pourquoi on fait couper les yeux tant que dans leur reproduction dans la mer, ça se fait de façon normale? Très bien. Oui, elle se fait le plus normalement du monde en mer, mais quand? La reproduction en mer, elle dépend de la température. La femelle, elle est fécondée, par exemple, en mois de juin, en janvier, quand la température, elle est basse, à 7 à 10 degrés, elle garde ses spermatophores jusqu'au mois d'avril ou de mars, où la température augmente, elle va libérer ses œufs, c'est-à-dire la ponte, elle dépend de la mue, et la mue, elle dépend de la température. Mais elle n'agit pas à la ferme, je ne vais pas attendre 4-5 mois. Je vais tout faire artificiellement, j'ai des chaudières à l'intérieur de la ferme, l'écloserie. Je dois augmenter la température jusqu'à 28 et couper pour réduire les 2 mois ou les 5 mois en mer en 2 jours. J'ai une question aussi, si vous permettez, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Oui, merci, Texa. En ce qui concerne, je reste toujours sur la technique d'élevage Penaeus vanami.
Oui. Sur les paramètres d'eau, le grossissement dans les étangs, que pensez-vous, d'après votre expérience, sur les paramètres d'eau de la Méditerranée, en l'occurrence pH, alcalinité, salinité, etc. Est-ce que c'est possible, est-ce que c'est faisable et puis voilà. Merci. Vous parlez en eau douce ou en eau de mer? En eau de mer, bien l'eau de la Méditerranée. Oui, non, la vaname n'est pas productive en eau de mer. Il serait préférable de faire l'élevage en eau saumâtre. Elle est plus productive, elle c'est plus économique que l'eau de mer. Ça veut dire un mélange. D'accord, donc les... C'est le saumâtre. Quand on parle de la vaname, la plus grande ferme au monde, elle se trouve au Texas. Si tu veux, qui produit à peu près de 6 à 7 kilos de vanamé par mètre cube. C'est l'eau douce. Pourquoi? La vanamé, c'est une espèce osmorégulatrice. Et là, quand on parle d'osmorégulation, on parle de points iso-osmotiques. C'est-à-dire quoi? On doit donner à la crevette, à la vanamé, son confort physiologique. Vous avez parlé de pH. Pour la vanamé, c'est tout un complexe. Vous faites l'analyse physico-chimique chaque 2 heures. Parce que c'est un blocus qui fonctionne en même temps. Je vous donne un exemple. Vous avez, par exemple, un petit problème dans votre étang. Ben, on ne parle pas d'étang, on parle de raceways, parce que si vous parlez économiquement parlant, en eau saumâtre. Si vous avez, par exemple, un problème d'ammoniac, vous allez donner du carbone pour diminuer cet ammoniac. Les bactéries qui vont consommer le sucre, vont dégrader l'ammoniac, mais ils vont vous laisser un autre problème. Le pH va diminuer. Donc, il n'y a pas quelque chose de constante. C'est à vous de jouer sur les paramètres, c'est comme jeu d'échecs. Vous avez un problème de pH, donc vous allez ramener d'une base, du bicarbonate. Vous avez un problème de magnésium, ou de sodium ou de potassium, vous allez mettre donc du Ca, le chlorure de sodium, de potassium, de magnésium. Donc, c'est comme une équipe qui attaque et qui défend en même temps. C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose de constant, c'est parce que le pH elle est constant, donc je vais faire. Non, vous allez trouver des problèmes de pH et d'ammoniac et chaque jour. C'est la question, comment vous remédiez pour régler ce problème. Mais la vanamé, quand on parle de vanamé de point de vue économique, c'est l'eau saumâtre. C'est pas l'eau de mer. D'ailleurs, le biofloc, il est plus efficace en eau saumâtre qu'en eau de mer. C'est la physico-chimie en fonction, qui est tributaire à la microbiologie. Dans le jargon vétérinaire, juste une remarque. La plupart des vétérinaires pensent à la pisciculture, à l'aquaculture, comme le bovin ou l'ovin. Non, on ne se base pas sur les signes cliniques. On se base sur la physico-chimie de l'eau. Il n'y a pas un poisson malade qui mérite le proverbe. Il n'y a pas un poisson malade, c'est le bassin qui est malade. Donc le vétérinaire, il doit savoir comment gérer son écosystème en termes de physico-chimie et de microbiologie. Parce que si vous avez un problème d'ammoniac, le poisson va mourir. Donc vous allez agir pour traiter. Non, vous réglez le problème d'ammoniac et tout le reste va entrer en ordre. Donc c'est la physico-chimie. Et dans le domaine, pour revenir à la question de monsieur, il n'y a pas quelque chose de stable, de quelque chose de stable ou fixé. Non, la creveticulture dépend des zones et des sites propices pour la creveticulture. Par exemple, pour la creveticulture de mer, il faut choisir une baie. Relige. Une baie, c'est-à-dire, il est protégé par les courants. Vous avez de l'eau freshwater, l'eau douce à gauche. Par exemple, l'eau de mer à droite pour diminuer la salinité. Durant la saison estivale, par exemple, la température peut augmenter de l'eau, peut augmenter jusqu'à 45-46 degrés. Et 45-46 degrés, c'est un stress osmotique. Ça va provoquer pas mal de maladies virales, surtout parce que les crevettes qui sont des porteurs sains. Donc, pour la creveticulture d'eau de mer, il faut choisir une baie.
une eau douce pour diminuer la salinité là durant la saison estivale. Mais pour la crème viticulture en eau douce, vous faites la physicochimie pour que vous ayez une idée sur les carences en termes de minéraux et vous préparez. Par exemple, l'eau est naturellement riche en sodium, magnésium et potassium. C'est déjà beaucoup. Et c'est bien. Mais si votre eau elle manque de ces trois minéraux, il faut se préparer pour niveler les carences. Mais question de pH, non, ça va changer. Le pH changera chaque heure, chaque 2 heures, chaque 3 heures. Le BioFlox, c'est un système permanent qui demande le fonctionnement de 24 heures sur 24, parce que l'élevage de la crevette, oui, c'est pas comme le poisson, on fait des analyses, c'est-à-dire on travaille les 24 heures sur 24. On fait les analyses chaque 2 heures à peu près et l'alimentation chaque 4 heures. Voilà. Oui, c'est bon, on passe à la deuxième partie. Ben, premièrement, on parlera un petit peu de la crevetticulture en Algérie. Ce qui a été décelé et diagnostiqué en Algérie. La première, c'est la maladie des taches blanches. C'est ce que vous voyez là, le White Spot Syndrome Virus. Vous voyez là des taches blanches au niveau de la carapace, c'est-à-dire la tête et au niveau de tout le corps de la cravate. C'est une maladie virale. Elle a été diagnostiquée en Algérie pour la première fois en 2012. On l'a trouvée au niveau de la ferme. Justement, on l'a trouvée parce que la température de l'eau a dépassé les 45 degrés Celsius. Et la température, c'est un stress osmotique. Parce que la crevette, on a importé de la crevette du Nil, qui est porteur sain. Donc, une fois qu'il y a un stress osmotique, la crevette déclenche cette maladie. Vous voyez là donc, des carapaces avec des taches blanches. Voilà. Ça, c'est un phénomène, justement, pour un petit peu répondre à la question de monsieur. C'est la cause de la température. On a perdu en 2012 3 millions de postlarves en 2 jours. En 2 jours. Vous voyez les postlarves à l'intérieur du bassin, tout simplement parce que la crevette elle a été contaminée par voie verticale de leur mère. Donc, elle a hébergé le virus, elle était porteur sain. Donc, une fois que la température de l'eau, les chiffres en 2012, température très élevée, jusqu'à 45 degrés. Je me rappelle très bien que la température de l'eau à l'intérieur de l'écloserie a atteint 60 degrés. Donc, c'est un stress osmotique. Donc, la crevette, elle a déclenché la maladie rapidement. Donc, vous voyez donc, à l'intérieur, au fond du bassin. Sur le plan microscopique, vous voyez donc les taches blanches. C'est un dépôt calcaire anormal. Sur le plan microscopique, donc les taches blanches ad hoc, c'est un dépôt calcaire anormal. Donc, la taille est différente. Voilà, c'est comme l'amibe, en fin de compte, c'est comme l'amibe. Voilà, donc 200 micromètres jusqu'à 10. Sur le plan histologique, c'est ce qu'on appelle une hypertrophie nucléaire basophilique. Vous voyez donc parce que c'est un virus, donc il s'est multiplié à l'intérieur du noyau. Donc vous voyez là donc un gonflement, une hypertrophie du noyau des cellules. Qu'est-ce qu'on fait? On fait de la PCR, c'est la polymerase chain reactions. L'extraction de l'ADN, du chromosome du virus pour le comparer avec le virus. Avec les banques de données pour savoir quel type de virus elle est. Le virus, il change selon la région. C'est-à-dire, si je ramène, par exemple, l'ANA des crevettes de la mer Jaune en utilisant les banques de données du virus qui existent en Algérie,
ça se pourrait que tout le monde est négatif. Je dois utiliser la banque de données de la région parce que le virus, il change selon la région. Quand il change, en termes de taille. Et le virus, la taille interne, c'est en bébé, en père basique. Donc, vous voyez là, puis on fait donc l'électrophorèse. Ça, juste pour vous un petit peu vous montrer le process de PCR, peut-être que vous le connaissez. Ou bien, on utilise le white spot qu'on utilise actuellement dans le corona. Les gens ne savent pas qu'on a utilisé ces tests en 2012 en Algérie pour la première fois. C'est la première fois en Algérie, soit en médecine vétérinaire ou en médecine humaine, on utilise les kits, le white spot syndrome virus kit, basé sur les anticorps, les mononucléaires, voilà. Donc, vous voyez, donc c'est comme test de grossesse, en fin de compte. Donc, une seule ligne, donc c'est négatif, deux, c'est positif. La deuxième maladie, c'est le Thora. Syndrome virus, c'est la maladie de Thora. C'est the red tail disease, c'est-à-dire la maladie de la queue rouge. Thora, c'est une rivière en Mexique. Donc, vous voyez là donc le détail et donc la queue est complètement rougeur. Juste pour un petit peu vous montrer les symptômes. Hein. Même chose, c'est une pycnose, hypertrophie du noyau, parce qu'il s'agit d'une maladie virale. Nous avons une troisième maladie, c'est la maladie du syndrome du ROS, déformation du ROS. Donc, vous voyez donc le rostre, il est déformé complètement. C'est ce qu'on appelle RDC, le Rand Deformity Syndrome. Il y a aussi une maladie fongique due à un champignon qu'on appelle le fusarium. Vous voyez donc les bronchies à l'intérieur de couleur noirâtre. Ça pourrait être une maladie fongique, ça pourrait être un fusarium. D'ailleurs, le fusarium, c'est une zoonose par excellence. Elle touche l'être humain. Le blé, les palmiers et la crevette en même temps. Donc, elle touche l'animal, l'être humain, le végétal en même temps. Donc, vous voyez à l'intérieur, donc c'est les branchies complètement noires. Voilà le champignon. Il a une forme typique, c'est une forme de canoë. On parle de canoë shaped macroconidia of fusarium. Donc, ils font qui habite à Djilbana ou le canoë. Donc, c'est typique. Voilà. Là, on parle de la ginidiose. C'est un champignon aussi. Donc, la ginidiose, qui est une forme de flore. Parmi les maladies fongiques décelées en Algérie. Ben, je parle de mon expérience, hein, ce que j'ai trouvé. Peut-être il y a d'autres, je ne sais pas. Il y a aussi le Lagenidium, donc ben, c'est toujours le même. Donc là, ce sont des, ce sont pas des, c'est le comment dire, ce sont pas des champignons, mais des levures. C'est la Candida. Oui, on a trouvé chez la crevette. On parle de maladies bactériennes, les vibrioses. Les vibrioses, c'est ce qu'on appelle de black spot, les taches noires. Les taches noires, ça ne veut pas dire 100% une maladie bactérienne, non, le contraire. La crevette, quand elle déclenche son système immunitaire, elle fait apparaître ces taches noires. Donc la tache noire, ce n'est pas forcément une vibriose. On va la confirmer sur le plan après avoir effectué des analyses purement microbiologiques. Aussi, on trouve les taches noires dans les maladies causées par le genre Benikia, les pseudomonas, les vibrio. Nous avons aussi le vibrio Harvey. Le vibrio Harvey Hada, c'est ce qu'on appelle les mères laiteuses ou des milky seas. Vous voyez de temps en temps, donc je ne sais pas si vous avez vu le phénomène Hada en mer, en bleu, illuminé en bleu. Tout simplement parce qu'il y a une bactérie, mais c'est une cyanobactère en même temps qui produit la lumière bleuâtre.
cette lumière, elle n'est pas tognomonique du Vibrio Harvey. J'ouvre une parenthèse. Là, je sors un petit peu du côté scientifique pour aller un petit peu à la littérature. Dans le livre 20 milieux sous les mers, 2000 leagues under the seas, je ne me rappelle plus l'écrivain, il a parlé de ça. Il était un armateur, donc il a vu des créatures en les années 1858. Il a vu des points bleus au fond de l'océan. C'est lui qui a parlé, le premier qui a parlé de Vibrio Harvey, mais sans le nommer bien sûr. C'est en 1900 la bactérie a été mise en évidence, en 1920 à peu près. Donc, si vous parlez un petit peu donc, de Vibrio Harvey en littérature et en microbiologie. Donc, si vous voyez des points blancs, bleus dans votre bassin d'élevage, c'est du Vibrio Harvey. C'est ce qu'on appelle les mers laiteuses au 2016. Nous avons aussi des bactéries filamenteuses, le Leucotrix, donc de 1 mm de longueur, quoi. Nous avons aussi les maladies parasitaires. Vous voyez donc une zoea qui est touchée par le fouling. Le fouling, c'est quoi? C'est que lorsque la matière en suspension, et ça c'est important, c'est pour répondre à la question de monsieur, parce qu'à chaque fois je me rappelle, la base du BioFlock Technology, c'est le SS, c'est le suspended solid. Il ne faut pas qu'il dépasse les 15 mg par litre, parce que si ça dépasse, ça va entraver la crevette à s'alimenter. Donc, la crevette, elle se trouve entravée, elle ne peut pas bouger, donc elle va mourir. Pourquoi? Parce que la matière en suspension, le taux, elle est énorme. C'est ce qu'on appelle le fouling. Donc, à chaque fois, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rationaliser l'aliment. Et aussi, il faut, c'est ce qu'on appelle, mettre le système de... Vous l'avez vu sur la vidéo de Raceways, comment il fonctionne. C'est lui qui se trouve à Ouligla. Donc, il y a un système qui garde l'excès de la matière en suspension pour garder la matière en suspension toujours en dessous de 15 mg par litre. Donc, vous avez aussi les foulings des œufs. Voilà. Vous avez donc des Suctorian sena, ce sont des otamiums, qui empêchent les œufs de l'artémia ou même des œufs de la crevette de s'éclore. Voilà, vous avez des otamiums. Ça, c'est un suctoriens à la sinita. Là, je parlerai un petit peu de la mélanose. Il y a, vous avez, je vous ai montré la couleur noire des branchies, elle est due à une fusariose, mais aussi peut être due à la mélanose. La mélanose, ce n'est pas une maladie. C'est une réaction biochimique tout à fait normale. Lorsque la crevette n'est pas fraîche, elle commence à se noircir. C'est comme la banane. La banane, elle commence un petit peu jusqu'à devenir noire. On parle de la mélanose de la banane. Parce que tout simplement, l'enzyme qui intervient dans la mélanose de la banane, c'est la même enzyme qui intervient dans la mélanose de la crevette. Donc, sort que tu fais les branchies, elle est noire, il ne faut pas l'acheter. L'érdéma. Et l'enzyme, c'est le PPO, le prophénol oxydase. Et je vous remercie. La prochaine fois, Inch'Allah, on parlera des vertus thérapeutiques des poissons d'eau douce, comme tilapia et le gararufa. J'attends vos questions. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, je crois que j'en ai une. J'en ai plein de toute façon, mais je ne vais pas prendre le temps des autres. Je suis très intéressé au domaine de la polyculture. D'ailleurs, je ne suis pas vétérinaire. Je suis sur le point de développer une étude sur la réalisation d'une ferme de grossissement de la Pennaeus vanami.
J'aimerais bien, je ne sais pas si vous aurez le temps d'échanger un petit peu à titre privé. Oui, sans faute. Je vous donnerai mon numéro de téléphone et mes coordonnées, on parlera sans problème. D'accord, c'était pour ça. Et je voulais savoir si vous avez fait des tests sur la station de Skikda, le pôle de Skikda, vous avez fait l'élevage de des essais sur la Vanamee. Je sais qu'actuellement, peut-être, vous êtes assez, que vous n'avez pas de géniteur pour l'instant. Et si, je veux dire, je ne connais pas la politique de votre pôle, mais est-ce que vous êtes en mesure de fournir des PL, des post-larves, dans le futur? Parce que normalement, si tout va bien, moi, dans 9 mois, la ferme sera prête. C'est le but de la ferme, hein, la ferme de Skikda. D'ailleurs, c'est la seule écloserie en Algérie. L'écloserie de Skikda, son but est d'alimenter les investisseurs en termes de post-larves. C'est le but. D'accord. Mais apparemment, il y a un petit blocage. Hein. Je parle un petit peu administratif. Il y a un petit blocage, apparemment, parce que j'ai essayé de contacter le ministère de la Pêche. Ils m'ont dit qu'il y a un blocage. Je ne sais pas quoi, comment exactement, mais apparemment, il y a un blocage. Non, ce n'est pas un blocage. Ce n'est pas un blocage. La ferme de Skikda, elle est en reconstruction, si on peut dire. Parce que vous savez, l'air marin, la roue et tout, donc ça a bousillé la pompe qui se trouve en mer, ça a bousillé plusieurs matériels. Donc il y a tout un chantier là-bas actuellement. D'accord, donc je reviens juste à ma dernière question. Est-ce que vous avez fait des essais sur est-ce que vous avez fait des essais sur la Penaïs Vanamee et est-ce que ça a donné des résultats et la densité, si vous pouvez m'en communiquer, hein, si vous pouvez communiquer la densité en mètre carré en ce qui concerne le grossissement dans les étangs. Oui. Quand on parle de la Vanamee, c'est comme comment dirais-je, comme le proverbe de William Shakespeare, elle fait du bien, c'est lui qui donne, c'est lui qui reçoit. La Vanamee, c'est une espèce la plus économique au monde, premièrement. C'est une espèce euréaline, c'est-à-dire en eau douce et en eau de mer. C'est une espèce qui accepte le bedrock. Et c'est une espèce qui accepte le high density, la densité élevée. Il y en a jusqu'à 300, 500 post-larves par mètre cube ou par mètre carré. Le carré, parce que la hauteur elle est de 1 mètre. C'est la seule espèce. Et pourquoi la réponse est une réponse purement physiologique et anatomique. On va entrer dans le détail, mais c'est l'espèce par excellence pour un rendement meilleur. Donc, c'est l'espèce qui accepte la densité élevée de 300 à 500 post-larves par mètre cube. Oui, il y a une question là. C'est quoi le cycle mu exactement, juste pour la mu, c'est quoi? Je vais être plus clair. Le serpent. Non. La crevette, la même chose. La crevette, les mêmes. La mue. La crevette, la crevette, la crevette, la crevette, la crevette, l'exosquelette. D'accord? Donc, la mue, c'est synonyme de la croissance. Si la crevette, elle ne fait pas la mue, c'est-à-dire, elle est mèche gadette. Donc, il y a un problème au niveau du bassin. C'est-à-dire, il y a un problème purement physico-chimique. Soit il y a de l'ammoniac, soit il y a de l'H2S, le sulfure d'hydrogène. À force, le sable il devient noir, c'est ce qu'on appelle le sable réduit, c'est-à-dire vous avez le H2S qui est très élevé. Donc, il vaut mieux utiliser les sables un petit peu granulés pour que l'oxygène puisse pénétrer. Carrément. C'est ce qu'on appelle le sable réduit, c'est-à-dire ce sont les sulfito-réducteurs qui réduisent le sable, le soufre, en produisant le H2S. Donc, la crevette qui a un milieu non favorable, elle ne fait pas la mue. Donc, elle ne va pas le croître. Donc, la mue, c'est synonyme de croissance. Une autre question. Est-ce que vous utilisez le mieux, le BCF,
pour éviter les phénomènes de... Ah oui, vous parlez de bisulfite pour éviter le phénomène de mélanose. Oui, on l'utilise en tant que vétérinaire marin, on l'utilise dans les chalutiers. On n'utilise pas, parce que pour inhiber le PPO, prophénol oxydase, soit la température à 4 degrés, à la ferme, je n'ai pas besoin de bisulfite. Parce que dès que je termine le harvest, la récolte, je mets directement la crevette dans la chambre froide. À 4 degrés, le PPO, il est inhibé. Mais en mer, non. Quand on sort en mer, avec une échalutier, on sort pour 2-3 jours. Donc, on prend le chalutier, c'est pas économique, mais le gasoil. Donc, on sort, on stocke, on saupoudre avec le bisulfite pour que la crevette garde sa fraîcheur. Donc, le bisulfite, on l'utilise uniquement sur les chalutiers, et les bateaux, conçus spécialement pour la pêche de la crevette. Comment traiter ces pathologies? On ne traite jamais. D'ailleurs, parce que c'est un problème de jet d'échec. Vous avez un problème de white spot, de maladie des taches blanches, c'est parce qu'il y a un problème de température. Je dois diminuer la température. Et le problème, il est réglé. Si vous avez un problème de fouling, c'est-à-dire les matières en suspension, je dois diminuer la matière en suspension dans le bassin. Et le problème sera réglé. Si vous avez problème de vibrio, je ne traite pas. Je dois augmenter le nombre des bactéries gram-positives pour déclencher le système immunitaire de la crevette pour pouvoir combattre les maladies gram-négatives. C'est le bioflag. On n'utilise jamais les produits chimiques. C'est un jeu d'échecs. Voilà. Comment faire pour rétablir la température du bassin lorsque la température est trop élevée en été? Comment faire pour rétablir la température du bassin lorsque la température est trop élevée en été? Vous parlez de bassin à l'intérieur de l'écloserie ou à l'extérieur de l'écloserie? Si vous parlez de du bassin à l'intérieur de l'écloserie, j'ai le système tampon. Vous avez vu en bleu et en rouge. Donc, il y a une chaudière qui fonctionne avec le système tampon. C'est-à-dire, je fixe à 28 degrés. Au-delà de 28, la chaudière va cesser de fonctionner. Donc, c'est la circulation de l'eau froide. Donc, le problème à l'intérieur, il est réglé. À l'extérieur, la température élevée, on doit la régler avec un apport en eau de mer. C'est-à-dire, parce que le bassin d'un hectare est confiné, c'est pas comme la température de l'eau, parce que la température de la mer, elle dépassera jamais 35 degrés en mer. Hein. Donc, je ramène les 35 degrés et pour éliminer les qui dans le bassin d'élevage de 45 degrés. Monsieur, je m'excuse pour une question qui peut être hors sujet, oui. Un petit peu. Donnez-nous des conseils pour les étudiants vétérinaires pour devenir compétents dans le domaine. Pour les vétérinaires, la première des choses, peut-être l'avantage des vétérinaires, c'est qu'ils peuvent faire la passerelle. Yanni, vous pouvez faire un master 2 dans les départements sciences de la mer. En 6 ans, vous aurez 2 diplômes. Vous pouvez vous inscrire dans les départements sciences de la mer et vous faites master 2 en sciences de la mer. C'est un diplôme académique, hein, ce n'est pas professionnel. Et après vous pouvez passer vos concours de doctorat avec les biologistes marins ou avec les vétérinaires, quand vous voulez. Et aussi, donc, pour les vétérinaires, donc, je conseille mes confrères et consoeurs de se pencher sur la vie et sur la biologie marine. Parce que le poisson tannis, c'est un animal. Il y a des vétérinaires qui font de la plongée sous-marine. Il y a des vétérinaires qui travaillent sur le crabe. Ou le crabe est chantier acheté. Ce n'est pas le filet, c'est la plongée sous-marine. Donc, je ne sais pas, j'ai fait des conventions avec l'école de pêche de Kala. Il y a des écoles vétérinaires qui ont signé des conventions avec les écoles de pêche de Kala pour former les vétérinaires en termes de plongée sous-marine, pour préparer le vétérinaire dans le domaine de sciences de la mer.
il n'y a pas, quand on parle de sens de la mer, il n'y a pas que la crevette. Hein. Il y a aussi les moules. Quand on parle de la conchéliculture, on parle de pisciculture, on parle de l'aquaponie, on parle d'algoculture, on parle aussi de toxicité, l'écotoxicologie. Il y a aussi l'idawa dans le domaine de la mer. Est-ce que ce poisson il est consommable, n'est pas consommable? Il faut doser les métaux lourds dans un milieu. Tout ça, c'est ça. Mais tout simplement, il ne faut pas que le vétérinaire raisonne en tant que vétérinaire, stéthoscope et traitement, non. Dans le domaine piscicole, non. C'est la physico-chimie, c'est la microbiologie. En tant que vétérinaire, pour maîtriser son domaine, il doit maîtriser ces deux points. Mais est-ce que si maladie s'en sort des zones, pardon? Est-ce qu'il y a eu des maladies? Oui. Oui, j'ai parlé tout à l'heure de la fusariose. C'est une zoonose par excellence. Elle touche l'être humain, elle touche le règne végétal comme le blé ou comme le palmier, des glas, et aussi l'être humain et la crevette. Hein. Donc, c'est une zoonose par excellence. Vous avez des questions? S'il y a des questions. Je suis là, et j'ai fait. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui veut prendre la parole? Des questions. Il n'y a que la fusariose qui nous annonce. À ma connaissance, il y a d'autres, mais je ne connais pas d'autres maladies qui ne sont pas déclarées jusqu'à présent, mais je ne connais que la fusariose. Il y a des intoxications, c'est ce qu'on appelle les TIAC, les toxi-infections alimentaires collectives. Suite à la consommation de la crevette avariée. Ça, c'est un autre point. Mais pour les maladies, c'est-à-dire le même genre, la même espèce qui touche l'être humain et l'homme, l'animal et l'homme, jusqu'à présent, c'est la fusariose. Peut-être il y a une espèce il y a une pseudomonas aussi dans la littérature. Hein. Je ne parle que ce que j'ai lu dans la littérature. Je ne parle pas de mon expérience. Dans mon expérience, je ne trouvais que la fusariose. Il y a aussi la pseudomonas, qui est une zoonose. Mais c'est rare. Mais c'est une maladie rare. Parce que la pseudomonas, il y a quelques germes, quelques espèces qui résistent à l'eau de mer. En plus, la pseudomonas, certaines espèces, on l'utilise dans les bactéries hétérotrophes. Donc, c'est strictement limité à une espèce qui zoonose. Oui. Une fois que l'élevage est atteint par une pathologie, il y a le moyen de traiter ou bien ça sera trop tard. Je pense que j'ai répondu à la question. Si c'est par exemple si le white spot, c'est trop tard. C'est une maladie virale, on ne peut pas la traiter. Dans les autres maladies, on n'attend pas que la maladie se déclare. Parce que c'est un travail de H24. Si vous avez un problème pathologique au niveau du bassin, c'est que vous étiez absent. C'est-à-dire que vous n'avez pas fait votre travail. Il y a un problème purement physico-chimique et microbiologique. Vous pouvez le régler immédiatement pour un petit peu stopper le déclenchement, prévenir l'apparition d'une maladie. Je vous ai montré tout à l'heure la vidéo. J'ai fait l'extraction d'une quantité énorme d'algues à l'âge parce que j'ai constaté à 4 heures du matin
que, la, que le, l'oxygène était à 2 mg par litre, à 4 heures du matin. C'est normal, parce que le fajr, il n'y a pas de photosynthèse. À 16 heures, il était à 8. 8 moins 2, c'est 6. 6, ça veut dire quoi? Il y a une différence de 6. Il ne faut pas que la différence soit au-delà de 4. Ça veut dire quoi? Je dois extraire le maximum d'algues, parce que l'algue, durant le jour, elle fait la production d'oxygène, c'est la photosynthèse, et durant la nuit, c'est la respiration. Donc, je dois équilibrer un petit peu entre les deux mécanismes, respiration et photosynthèse. Je dois réduire la différence à moins de 4 mg par litre. Parce que si je trouve la différence à 6, c'est-à-dire que la crevette va mourir. Donc, je dois agir rapidement. C'est pourquoi je me suis un petit peu... J'ai fait l'extraction, j'ai enlevé une quantité d'algues. Vous savez que l'algue, elle consomme l'oxygène durant la nuit, mais elle produit l'oxygène durant le jour. Et cette quantité énorme va être consommée durant la nuit. Donc, je dois extraire le maximum d'algues. Donc, c'est une gestion, comment dirais-je, une gestion de l'écosystème permanent, une gestion permanente. Comment s'appelle la crevette de petite taille? Vous avez dit crevette, c'est grande crevette. Ok. Nous avons en Algérie, on dit crevette, la kbira ou la sghira. Mais en fin de compte, non. Dans le langage francophone, hein, une crevette, c'est la crevette kbira. Les gars, quand tu fais un truc comme la vaname, la japonicus. La chevrette, c'est la crevette sghira. C'est une chevrette. La chevrette, elle appartient à la famille des caridés. Ou la crevette, elle appartient à la famille des pinnidés. Alors, on parle de pinniculture. Mais dans le langage anglo-saxon, crevette, les anna, crevette, les kbira, c'est le brown. Ou la chevrette, les anna, les zghira, shrimp. Voilà. N'hésitez pas à poser vos questions. Je me permets, je vous avais posé une question. Vous avez parlé, évoqué tout à l'heure le fléau du cannibalisme. Parce que, oui. Parce que, en l'occurrence, vous avez observé des fléaux de cannibalisme chez le vaname et surtout pendant la période de la mue. Merci. Bien sûr. C'est sûr, le phénomène de cannibalisme existe chez la vaname comme la japonicus. La crevette, c'est une espèce charognarde. D'ailleurs, le harraga ta'na fin le bhar, nous stahmik lehom les crevettes. Il faut le dire, c'est une espèce charognarde par excellence. Le phénomène du cannibalisme, ça existe, mais il faut le diminuer. Comment? C'est la gestion de l'écosystème. Durant la nuit, la crevette, elle s'est affaiblie, c'est vrai. La couche, la chair, elle devient molle. Qu'est-ce qu'elle fait la crevette? Elle s'enfuit. Mais pour éviter ce cannibalisme, il faut que la crevette retrouve son cuticule le plus rapidement possible. Comment? Avec le rapport 3-1-1. Si elle trouve un milieu pauvre en magnésium, en sodium, en potassium, c'est-à-dire qu'elle va prendre du temps pour fabriquer sa nouvelle couche ou sa nouvelle cuticule, ça va donner le temps aux proies de la consommer, quoi. Une autre question. Vous avez cité beaucoup de pays, États-Unis, la Corée, l'Égypte, c'est-à-dire qu'il faudrait faire des formations ailleurs. Quel pays vous pouvez me recommander si quelqu'un veut partir pour faire une spécialisée dans ce domaine? Oui. Juste parce que, avant de répondre à cette question, pour revenir à votre question, monsieur, il y a aussi un sujet purement zootechnique. Il faut essayer de ramener votre cheptel au maximum pour qu'il soit homogène. On appelle de classe de taille. C'est-à-dire, vous avez le même... Parce qu'on fait la différence entre un âge biologique et âge physiologique. C'est-à-dire quoi? Vous pouvez trouver deux crevettes de même âge, mais n'ont pas la même taille. Là, vous avez un problème de rationnement dans votre bassin. C'est-à-dire l'aliment que vous distribuez ne suffit pas pour l'ensemble de crevettes. Là, les crevettes d'Aix sont rationnées.
Donc, ils finiront par se manger. Donc, vous voyez, donc là, il y a une croissance rapide, linéaire, de telle classe par rapport à d'autres. Donc, l'alimentation doit être distribuée selon les normes et à vérifier. Si l'aliment n'est pas consommé, il faut le réduire. C'est-à-dire, comme on dit dans notre jargon, si par exemple dans votre bassin, d'ailleurs vous savez que la crevette elle consomme inversement en son âge. C'est-à-dire, si vous avez une crevette qui pèse par exemple 1 gramme, elle consomme jusqu'à 25% de son poids. Mais lorsqu'elle atteint 15-20 grammes, elle consomme que 2% de son poids. C'est pas comme le poisson, par exemple, le poisson chat, le catfish, ou la du tilapia, donc elle est de 6% depuis la verge jusqu'à la récolte. Non. Et là, c'est le travail purement zootechnique. Il faut bien rationaliser l'aliment selon la mise en charge, ce qu'on appelle la biomasse, dans votre bassin. Et pour la question vous avez cité beaucoup de pays, les États-Unis, la Corée, l'Égypte, ça dit qu'il faudrait faire des formations ailleurs. Quel pays vous... si vous pouvez aller, parce que la COECA actuellement, elle ouvre des masters et des thèses de doctorat, pour les étudiants, la COECA. C'est l'agence coréenne internationale qui se trouve au niveau de l'ambassade. Il y a aussi la JICA, l'organisation japonaise. Pour les étudiants, elle ouvre des mémoires de master et de thèse de doctorat. Maintenant, pour les formations à l'intérieur du pays, donc la ferme de Skikda, la ferme de Le Marsan, elle ouvre même les écoles de pêche. Même les écoles de pêche ouvrent des formations en termes de crevetticulture et en ferme de pisciculture pour les étudiants algériens ou les futurs investisseurs. À propos de la coloration parasite, l'eau rouge, c'est quoi? Premièrement, la coloration parasite, ça n'a rien à voir avec le mot parasite. Hein. C'est une appellation comme ça. Rouge, ça veut dire zdid. Le ma qui zdid, il est ahmar, non? C'est l'oxyde de fer. Si vous avez, par exemple, une eau qui circule un débit faible, le robinet, il devient rouge. Elle est parce qu'il y a des bactéries, des ferrobactéries qui oxydent le fer en oxyde de fer. Donc le rouge, c'est l'oxyde de fer. Et le jaune, c'est le cuivre. Voilà. Et demain, on aime les colorations parasites. On parle toujours de la quantité. Quelle est la meilleure variété ou souche de point de vue qualité? J'ai pas compris la question. Quelle souche de l'espèce? Si vous parlez de l'espèce de la crevette, la meilleure c'est la vanamée. La vanamée, il y a une espèce plus rentable que la vanamée, c'est la monodone. C'est la crevette géante. D'ailleurs, elle coûte 2400 dollars l'individu. Quoi. Pourquoi l'alimentation de la crevette est exportée? Elle ne peut pas être produite. Oui, actuellement, elle est importée. Mais nous avons une unité de fabrication d'aliments à Ouargla Fihas Ibn Abdallah. Ça va démarrer, Inch'Allah, rapidement. C'est pour un petit peu diminuer un petit peu le fardeau. Hada. Je sens qu'il y a pas mal d'investisseurs qui hésitent. Ils ont le droit, parce qu'ils ne peuvent pas continuer à importer de l'aliment pour la crevette, alors que je sais que ce n'est pas rentable. Les gens du Loup et d'Orade, ils ont exporté l'aliment et donc ils ont fini par un petit peu donc déclarer faillite quoi. Celui de Azefoun à Tizi Ouzou là. L'aliment c'est 50% du projet. Justement, l'unité de fabrication Hadi, elle va aider inchallah les investisseurs à Ado pour penser à investir dans le domaine. Un petit peu pour diminuer donc le budget attribué à l'alimentation parce qu'il est vraiment faramineux. Est-ce que vous conseillez les étudiants de faire des études supérieures entre eux? Bien sûr, bien sûr, mais l'étranger, donc soit à l'étranger, soit à l'intérieur du pays, hein, bien sûr.
quand tu parles beaucoup plus d'années pour les vétérinaires, hein, il faut penser à faire des masters en sciences de la mer. Hein. Et en sciences de la mer, parce que c'est énorme, c'est pas, il n'y a pas que la crevette. Hein. Il y a les poissons, quand on a plus de poissons, c'est avec S. L'eau dorade, la sardine, le rascasse, la roussette, donc ce sont des spécialités. Il y a aussi donc, les algues. Vous voyez donc toute une ferme qui est à Belhabès et à Oran. Il y a de Redouane qui fait de Redouane, ben c'est un ami qui fait de la spiruline. Donc c'est vaste comme domaine. Le FCR observé dans l'élevage était à combien chez vous par la Vaname? Le FCR, c'est l'indice de conversion, c'est ce qu'on appelle en anglais le food conversion rate. C'est-à-dire, le meilleur, c'est de 1, le FCR, il change, ben, des fois, on a atteint donc 1,5, des fois, on était à 3, parce que tout simplement, il y avait un problème au niveau de l'écosystème. Mais le meilleur indice de conversion est de entre 1 à 1,5. Là, vous pouvez, et dans pour la Vaname, pourquoi? Parce que du biofloc. Parce que vous allez mettre moins d'aliments et le reste va être contribué et complété par par la multiplication bactérienne. C'est pourquoi il est toujours favorable le FCR dans la Vaname. Ce n'est pas le cas pour la Keratirus ou pour la Japonicus. Mais en général, il y a entre 1 et 1,5 et 1,8. Je pense qu'on va terminer ça là. On va clôturer. Ben, je vous remercie de m'avoir prêté attention. Shukran. Merci. À vous. Monsieur, il y a une question. Oui. Il y a une question. Oui. Oui. Monsieur, il dit le FCR observé dans l'élevage était à combien chez vous pour la Vaname? J'ai répondu, c'est bon, j'ai répondu à cette question. Ah. Oui. Ah, d'accord. Donc, on va clôturer. Merci pour votre attention. L'enregistrement, on va le trouver dans notre page du club. Merci à vous, docteur Oudaïmia. Il y a une autre séance. Restez suivre notre page pour voir les autres séances. Au revoir. Salut, Moula. Salut l'équipe.